Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment terminer en crochetant les fuseaux blancs que nous avons travaillé en point ouvert sur cette partie hier. Alors, je mets le rognon ici de façon à ce que mon fil ne se mette pas dans les épingles existantes et je vais faire encore un aller-retour en point ouvert. J'ai un crochetage à effectuer ici. Et je vais retourner à droite, toujours en point ouvert, et je vais crocheter la dernière ici, donc là en fait où se termine le zigzag. Mon fil, je ne sais pas si on va le voir, mais c'est tout abîmé en crochetant, ça arrive. Heureusement que je suis sur la fin, ça ne se verra pas dans le travail. Et voilà. Ensuite, je vais faire une dernière rangée. Je vais retourner à gauche avec mes meneurs en point fermé. C'est juste pour qu'il y ait un tout petit peu plus de tenue, mais il n'y a rien de... c'est pour bien terminer, quoi. Et ma paire de meneurs, je vais la crocheter sur cette épingle-là. Ça permet juste d'avoir une petite tenue supplémentaire. Donc souvent on me demande quel fil j'utilise et là en fait c'est un fil beaucoup plus fin que d'habitude et vous voyez il n'est pas très simple à travailler parce que quand on crochette il s'abîme pas mal, mais malgré tout ça ne m'a pas empêché de travailler toute la partie en point ouvert. Donc souvent on me demande est-ce qu'il y a vraiment une grande importance et finalement vous voyez qu'on peut faire presque avec n'importe quel fil. Donc ensuite ici on avait plusieurs épingles que j'ai enlevées. Et on va crocheter paire par paire à chaque épingle que j'ai enlevée en fait. Donc complètement à droite ici, je vais crocheter la paire qui est à droite. Toujours dans le même principe, je fais mes boucles, je passe l'autre dedans et surtout je remets mon épingle. Et là, ce qui va être important, c'est de remettre l'épingle bien en arrière de façon à ce que la partie en rouge là qui se verra bien une fois, ça va être la partie centrale, donc c'est ce qu'on verra le plus dans la canne à sucre une fois que tout sera désépinglé, il faut qu'elle soit vraiment bien tendue. Donc en mettant l'épingle en arrière, ça garde cette partie là bien tendue. Ensuite, une fois que c'est fait, vous faites un petit nœud et vous les laissez de côté. Après, vous prenez la paire qui suit, vous prenez ici le deuxième trou de l'épingle. Même chose, je crochète, je remets mon épingle bien en arrière. Je vais faire juste un nœud. La troisième paire sur la troisième épingle. Voilà. Je vous montre comment je fais le nœud, tout simple. Ensuite, il nous reste deux paires. Donc je fais une boucle avec celle de droite et je vais passer l'autre paire dedans, mais je vais aussi passer les meneurs.
ensuite, vous remettez l'épingle toujours bien en arrière. Voilà. Et là, on va finir avec un rouloté. Donc, pour faire le rouloté, moi, je prends celui de droite que j'allonge parce que je suis droitière, donc il est plus long que les autres. Et je vais passer comme ceci autour des trois autres. Donc, je vais tenir avec mon doigt. Donc là, il s'est craqué, je vais le faire avec celui-là. C'est pas grave. C'est vraiment un fil qui est pas top, celui-là. Donc, vous tenez avec votre doigt et vous passez autour. Vous faites ça 2-3 fois. Ensuite, vous pouvez enfoncer les épingles. Et vous pouvez couper donc tous ces fuseaux blancs. Et je vais vous montrer maintenant comment faire pour continuer la canne à sucre, la partie du haut. Alors, pour faire la suite de la canne à sucre, je vais vous montrer le trajet que nous allons effectuer avec nos nouveaux rouges pour savoir à peu près la longueur qu'il faut que vous mettiez sur vos fuseaux. Donc, on va les crocheter ici. On va partir en haut. On va faire tout le contour ici. Et on s'arrêtera là. Et ici, on les mettra en suspens. Ensuite, on fera le reste, mais pour l'instant, on les met en suspens et on les crochettera en fait quand on fera cette partie-là. Voilà, donc ça vous donne une idée. Maintenant, je vais vous faire un zoom pour le crochetage ici. Alors, j'ai enlevé ici les deux épingles où nous allons crocheter nos fuseaux. Donc, dans l'épingle qui est complètement à droite, je vais mettre ma première paire. Ça, je fais ma boucle et je passe l'autre dedans. Dans le même trou, on va passer une seconde paire. Pour l'instant, vous ne mettez pas les meneurs. Ensuite, vous pouvez remettre l'épingle et vous allez mettre le crochet dans le second trou, celui de gauche. Et d'ici, vous allez mettre trois autres paires, dont les meneurs que vous mettrez complètement à gauche. Pour terminer, complètement à gauche, je vais mettre la paire de meneurs. Une fois que ça c'est fait, vous mettez l'épingle. Nous allons travailler en point fermé, donc sur toute cette partie-là, jusque là. Je vous montre le point fermé, je fais 2-3 rangs avec vous et puis ensuite je vous laisserai faire comme vous devez savoir le faire puisque c'est ce que nous avons fait dans cette partie-là.
Donc vos meneurs sont à gauche. Vous devez les emmener à droite. Vous prenez la paire de droite qui arrive, vous comptez 1, 2, 3, 4 et vous faites le point fermé qui est 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. J'en laisse 2, je garde toujours mes meneurs en main et je reprends 2. Toujours 1, 2, 3, 4, 2 sur 3. 1, 2, 3, 4, 4 sur 3. Toujours 1, 2, 3, 4, 2 sur 1. Et pour finir, 2 sur 3. J'en laisse 2, je garde toujours mes meneurs en main et je reprends 2. Et je recommence 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. J'en laisse 2, je reprends 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Là, vous voyez qu'ils ne sont pas tous à la même taille, donc vous les mettez un petit peu horizontalement et puis vous les déroulez avec le nœud coulisse. Ensuite, une fois que vous avez fait toute votre rangée et que vous avez mené vos meneurs à droite comme c'était prévu, vous allez leur faire faire deux torsions. Donc, c'est-à-dire vous les croisez deux fois, droite sur gauche, 1, 2. Et vous mettez l'épingle, donc là, il sera tout en haut à droite. Puisque les meneurs sont à droite, l'épingle est à droite. Vous retournez à gauche. Meneur à droite, vous allez à gauche. Vous prenez la paire de gauche qui arrive. Toujours dans le même sens, 1, 2, 3, 4. Vous faites 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. J'en laisse 2, j'en reprends 2. 2 sur 3. 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. J'en laisse 2, je reprends 2. Quand celui-là, par exemple, j'arrive pas à le dérouler, le nœud coulissant s'est un peu emmêlé, vous n'hésitez pas, vous le défaites complètement. Là, je le rembobine la taille que je veux et je vais refaire le nœud coulissant. Le nœud coulissant, c'est la première, toute première vidéo dans la playlist B.A.B.A. de dentelle. Ensuite, on continue. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. J'en laisse 2, j'en reprends 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. J'arrive au bout de rangée, je fais deux torsions, droite sur gauche, deux fois. Je mets mon épingle tout en haut à gauche et tout en tenant mes meneurs d'une main, je vais tirer doucement, faut pas tirer, casser le fil non plus. Vous tirez pour placer vos fuseaux ici et vous recommencez. Meneur à gauche, vous devez retourner à droite, point fermé une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Vous faites vos deux torsions, vous mettez l'épingle complètement à droite. Et vous tirez bien la rangée que vous venez de faire. Et voilà, ainsi de suite, vous pouvez continuer en suivant les zigzags jusque là. Et je vous retrouve demain pour la suite ici. Thank you.